Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc ce matin, il est 8h52, j'ai lissé mes cheveux, je me prépare au cas où je recevrai la palette d'Indy, puisqu'en toute logique, je devrais l'avoir aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc voilà, vous aurez la vidéo soit ce soir, soit demain ou plus tard. Le suivi pour l'instant ne bouge pas, je vais attendre 9h. On verra bien. J'ai fait une commande Bousy sur ce matin pour le Black Friday. De toute façon, je vous ferai un haul Black Friday pendant le calendrier de l'Avent. Là, j'attends pour faire ma commande Glisten, que mes ventes Vinted arrivent sur le compte. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, ce week-end, vendredi, j'ai attendu mon colis qui devait arriver, mon premier colis Shein, qui devait arriver entre 8h et 17h, comme d'hab, 17h30, toujours personne, 19h, toujours personne. Je regarde, ça a été reporté à aujourd'hui. Donc, je reçois mon premier colis Shein aujourd'hui, et le deuxième, j'arrive pas à avoir le suivi. Ça bug. Pour voir où ce qu'il en est. Hier, il était en Hollande. Donc, j'espère l'avoir avant vendredi, que je puisse vous faire le haul pour vendredi. J'ai refait mes ongles aussi. Oui, ça ne veut toujours pas se mettre. J'ai refait mes ongles aussi. Donc, c'est juste, j'ai mis le Glamour Green de chez Ongles 24. Donc, c'est du vert avec des paillettes vertes. Tout simplement, voilà. Comme je les ai recoupés assez courts pour qu'ils reprennent vie. Enfin, vie. Entre guillemets, puisque c'est une partie du corps, c'est mort. Voilà, pour qu'ils reprennent un peu forme, tout ça. Donc j'ai fait mes ongles et j'ai fait les photos des palettes que j'ai reçues dans le swap, que je vous prépare les vidéos pour le calendrier de l'Avent. Le samedi, je voulais faire les swatchs, mais je les ai fait que le dimanche. On a fait le live. Donc ça a coupé court puisque j'ai eu un bug de 4G. Voilà, ça a planté. Donc ça a coupé assez court, mais je vais essayer d'en refaire un. Enfin, si je l'ai fait, ça sera déjà passé pour vous, mais sur Insta pour compenser. Je pense que je vais voir pour vendredi. Et j'ai fait un petit DIY le soir, donc je vous montrerai parce qu'il est déjà en haut pour mettre dans mon fond après les fêtes, après Noël. Donc, après le calendrier de l'Avent, quoi, faire mon fond d'hiver. Le dimanche, j'ai fait tous les swatchs des palettes que je vais vous présenter, enfin, je vais essayer, si je ne dois pas bouger de vidéo, dans le calendrier de l'Avent. J'ai préparé tout pour faire la vidéo d'Indy, donc j'ai tourné mon bureau pour être dos à mon armoire, pour pas filmer avec le fond de Noël une vidéo avant le calendrier de l'Avent. Et je me suis fait le soir mes petits gommages, masques et tout ça. Voilà. Donc ça, c'était pour mon petit week-end. N'oubliez pas que vous avez le code promo NOX. Attendez, je reprends mon calendrier pour être sûr de ne pas dire de bêtises. J'ai le miroir devant parce qu'après, je vais faire mon pain. Donc je vais bouger. Qui est valable encore jusqu'au 30. Donc vous avez 25% avec mon code MISSY à la place de 10. Jusqu'au 30 novembre pour le Black Friday. Donc si vous voulez préparer vos cadeaux de Noël, c'est le moment. Hein. Je vous ai présenté le coffret dans le dernier vlog. Et il y a celui avec le diffuseur, là, le brumisateur, l'humidificateur. Pareil, il est aussi dans les coffrets cadeaux. Voilà. Sinon, là, on attaque le dernier vlog avant les Vlogmas. Puisque dimanche prochain, ça sera un Vlogmas. Et voilà. Donc j'ai hâte que le calendrier commence. Dans le live, on a parlé d'un commentaire que j'ai eu. Donc je vous mets la rediff en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et hier, j'en ai eu un beau encore. Mais j'ai dû rire quand je l'ai lu. Alors c'est quelqu'un qui a commenté deux fois chez moi. Donc c'est pas un pseudo que je connais. Puisque l'autre commentaire date d'il y a au moins 2 ans, je pense. Vu la palette que c'est marqué, voire 3 ans peut-être même. Et hier, j'ai eu droit à, sous mon vlog, où c'est que c'est ? Les fêtes de fin d'année approchent, pour une fois, donner un peu plus tôt que de faire l'aumône comme d'habitude.
Bien sûr. Alors, j'avais envie de répondre à cette personne. Mon lien Tipeee pour les dons est en barre d'infos. Donc, te prive pas, coco, hein? Coco, cocotte, je sais pas trop. La débilité des gens, c'est de pire en pire. Je sais pas si c'est parce que les fêtes approchent, mais les gens deviennent très cons. Mais alors, vraiment très cons. Voilà. Bref. C'est vrai que je fais tellement l'aumône, hein, que j'ai des dons à gogo partout. Et c'est vrai que de demander de laisser défiler les pubs, c'est de l'aumône. Mon Dieu, il y en a, il ferait bien d'ouvrir un dictionnaire de temps en temps. Enfin bref. Enfin, il y en a qui feraient bien de s'acheter une éducation aussi déjà pour commencer. Mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien de spécial aujourd'hui. Donc je vous dis, moi j'attends ma commande là, Shein, ma première commande Shein qui arrive aujourd'hui, ça c'est sûr. En espérant avoir la palette Indie aussi, que je puisse la filmer et essayer de la poster dans la journée. Et j'espère avoir ma deuxième commande Shein avant vendredi pour pouvoir tourner la vidéo qui est prévue pour vendredi, puisque c'est ce que je vous ai prévu moi pour vendredi qui est passé pour vous. Donc j'espère l'avoir. Donc on verra bien. Donc il n'y aura pas de vidéo lundi, enfin normalement le lundi de toute façon c'est pas prévu, c'est juste des vidéos bonus. Mais on attaque avec le 1er décembre, avec le calendrier de l'Avent. Et j'ai tellement hâte, mais alors tellement hâte de le lancer. D'ailleurs, il faudrait que je me rebouge un peu le fion là, parce que j'ai que la première semaine. J'en ai une pour la deuxième semaine qui est en cours. Il faut que je fasse le troisième make-up. Celle-là, je dois attendre ma commande Shein. Ça, je dois attendre mes commandes pour du Black Friday. Voilà. Là, je pense que j'allais faire un petit tour sur Beauty Bay, voir un peu les promos. Parce que j'ai vu que les miroirs Jeffree Star étaient en promo. Et ça fait longtemps que j'en veux un, mais j'hésite à chaque fois. Je me demande si je vais vraiment l'utiliser. Après, je me dis que ça peut être utile d'avoir un miroir à main plutôt que de me pencher sur mon autre miroir. Donc, je ne sais pas trop. Je vais aller voir un peu les promos qu'il y a. Et voilà. Il y a Maki Beauty aussi, que j'aimerais bien faire une commande, mais ce que je veux commander n'est pas en promo, donc ça urge pas. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain. Je ne sais pas comment on va avancer la journée, parce que j'ai très peu dormi. Je me suis endormi, il était 2h du matin. Et se lever à 6h quand on s'endort à 2h, ça pique. Après ça va, pour l'instant je suis pas fatiguée, mais une fois que je vais manger à midi, je vais être... Là, de toute façon, même dès que je mange, moi je suis crevée. Ah oui, et demain j'ai un événement presse avec Adezo. Ça c'est cool, en virtuel. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Ils montrent les coulisses de la création de la palette d'Indie et tout. Donc, ça va être encore un truc super intéressant, je pense. C'est eux qui m'ont donné mon suivi d'ailleurs sur Insta parce que j'ai fait une story en disant que je voyais arriver les premières palettes. Et que moi j'habitais dans un pays très lointain qui est la Belgique, donc que je devais attendre. Puis ils m'ont douté d'envoyer un message, ils m'ont dit bah tu la reçois quand? Bah j'ai je sais pas moi. Il me dit bah t'as pas eu le suivi? Et non. Donc il a été voir, il a essayé de me le renvoyer par mail, c'est pas passé. Donc il me l'a envoyé directement sur Instagram. Mais je comprends pas pourquoi le mail n'est pas passé du suivi, puisqu'ils arrivent à m'envoyer d'autres mails. Donc c'est bizarre. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir ça, de tester ça, de voir avec l'escape game, là, enfin, l'aventure immersive. Je pense qu'on le fera pendant le vlog, enfin qu'on essayera, enfin que j'essayerai. Après, moi, je suis pas douée pour tout ça. Hein, voilà, je suis pas très intelligente pour tout ça. Les trucs de déduction, d'énigmes et tout ça. Enfin bref, on verra bien. Mais je pense qu'on regardera ça en vlog. Voilà, bon, allez, quoi qu'il en soit, soit on switch de moment, soit on switch de jour. Bon, il est 9h26, je vous prends rapido, je viens de terminer la vidéo, une palette, trois looks. Oui, il m'aura fallu le temps, mais j'avais d'autres vidéos à tourner. Hier, j'ai reçu mon premier colis Shein, et aujourd'hui, je reçois le deuxième. Donc là, je vais tout préparer, parce que je dois bouger tout, mes éclairages, mon trépied et tout, pour vous filmer le haul. Je vais recharger un peu ma batterie parce que j'en ai plus beaucoup et voilà, tout simplement, me reposer.
boire des vitamines parce que j'ai soif. Je vous montre le DIY que j'ai fait ce week-end. J'ai oublié de vous le montrer hier, donc je vais vous le montrer maintenant. Voilà, donc c'est avec les plumettes que j'avais eues lors de la soirée, hein, que je vous ai montré dans un précédent vlog. Donc ça vient de mon jardin, les branches aussi. Et je les ai bombées, ceci en noir pailleté, puis j'ai mis du vernis avec des paillettes, du VSP par-dessus. J'ai bombé certaines en argenté et d'autres en noir, et j'ai collé des petits strass dessus. Voilà, et je trouve que dans mon fond, ça fera très joli, joli. Il faut juste que j'essaye de regrouper les deux plumettes, pour pas que ça fasse trop papillon. Je trouve que ça fera plus beau si... Attendez, je vous montre dans l'autre sens. Si elles sont jointes comme ça. Je pense que ça fera plus joli. Donc ça ira dans le fond d'hiver. Une fois que j'aurai terminé. Par contre, le truc, il perd ses plumettes. Perd ses poils, il se déplume, le bazar. Voilà pour ça. Hier, j'ai tourné la vidéo sur la palette. J'ai reçu le coffret PR donc avec la palette et le mascara Adezo. Alors, j'adore. Franchement, j'adore. Rien que le Versailles, moi, j'étais totalement transportée. Alors, j'ai essayé de comprendre un peu le principe de l'escape game, mais j'ai toujours rien compris. Hein. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas s'il faut aller sur un site pour avoir des pistes. Je ne sais rien. J'ai rien compris. Donc, il faudra que je demande. Mais je ne suis pas douée, moi, pour tout ça. Voilà, j'ai pas une déduction très logique pour tout. Donc moi, je vais aller recharger ma batterie, faire pipi, parce que je dois vraiment faire pipi, préparer tout pour filmer le haul, et puis attendre mon facteur. J'ai aussi deux commandes Boozy Shop qui vont arriver pour le Black Friday, donc ça, vous aurez le haul dans le calendrier de l'avant. Je sais pas vous le mettre avant. J'ai fait deux commandes Boozy Shop, une Glisten, une Maki Beauty... C'est tout pour l'instant. Mais je dois encore faire une Beauty Bay et une Shein. Voilà. Ouais, j'avais un beau budget pour le Black Friday. Donc, je me lâche. Ça fait du bien aussi. Et voilà. Donc, je vais aller attendre tout ça. Filmer après le haul. Faire le montage. Puisque c'est pour vendredi. Donc, vous l'avez déjà eu. Je vous le remets en barre d'infos. Et voilà, je crois qu'il ne va rien se passer d'autre aujourd'hui. Ouh, je vais devoir vous laisser, je dois vraiment faire pipi. Je vais me faire pipi dessus pour finir. Donc, s'il y a quelque chose, je vous reprends. Si j'ai quelque chose à vous dire, sinon, switch de jour. Je ne pense pas que ce vlog soit super intéressant à la fin de la semaine, puisque il ne va rien se passer d'intéressant, à part que moi, je continue à essayer de m'avancer au maximum sur... sur les vidéos de Noël. Demain, je vais tourner du coup le crash test Shiglam que vous aurez le 6, je crois, si j'ai pas de bêtises. Oh, je vous le dis ou je vous le dis pas? Non, je vous le dis pas. Je vais pas les mettre tout de suite. Bon, du coup, on switch de moment, de jour, de je sais pas. Alors, il est 15h10 et je viens de coller mon sticker. C'est trop beau. Donc, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer. Là, j'attends PostNL. Je suis crevée. Hein. Hier, j'ai pas fait de sieste. Aujourd'hui, pas de sieste. Je suis exténuée. Mamie est fatiguée. Enzo est parti bosser. Moi, j'ai pas arrêté. J'ai fait le montage du haul Shein. J'ai mis mon stickers. J'ai lavé mes draps. Ils sont en train de sécher. J'ai préparé ma machine à faire tourner ce soir. J'ai pas arrêté aujourd'hui. Là, je suis vannée. Et je suis surgelée. Pourtant, je suis juste à côté du poêle, hein, mais j'ai froid. Donc, je retourne et la caméra et je vous montre ça. Et ensuite, on switchera de jour. Je ne sais pas si je vais aller tout à l'heure ou demain mettre en haut le Queen. Je ne sais pas, je verrai bien. Mais voilà, je vous montre celui-là. Il est magnifique. Franchement, pour le prix, vu la taille, il s'applique super bien. Il y a deux, trois petits défauts que je vais vous montrer après. Parce que mon mur est déjà pas super lisse non plus, mais franchement pour le prix, la taille, il est d'une super qualité, ça donne juste envie d'en acheter 15 millions et d'en mettre partout. Voilà, donc je pense qu'après je vais aller refaire un tour sur Shein, voir tous les stickers qu'ils ont. Regardez-moi cette beauté, c'est super beau, magnifique, j'adore.
Il est trop beau. Franchement, je suis assez fière de moi parce que je l'ai quand même super bien mis. Bon, forcément, ici, on voit les jonctions hein, puisqu'il était coupé. Voilà, il y a où que j'ai vu qu'il y avait des petites ici. Mais là, je vais peut-être demander à Chéri tout à l'heure parce que ça sort d'école. Hein. Donc, je vais peut-être essayer de demander à Chéri qu'il me le redise comme il faut. Là, j'ai pris une spatule de pâtisserie pour. Mais là, franchement, ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi du tout. Tout le reste est bien lisse. Il n'y a vraiment que ce pli-là qui m'enquiquine. Ah, et un ici aussi, je vois. Bon, je vais essayer de le remettre quand même comme il faut. Mais voilà, j'aime trop. Oh, puis les petits détails à l'intérieur, c'est magnifique. C'est une forêt, c'est avec des petits oiseaux et tout. J'aime trop. Il est magnifique. Voilà, allez, sur ce, on switch de jour. Bon, je vous prends, il est très tard. Il est midi, 11h53. Je viens de tourner le crash test Shiglam. Et mon haul, enfin la partie du haul Black Friday, ma commande Bouzy Shirt, enfin mes commandes. Je vous en verrai plus pendant la vidéo du haul. Donc là, je fais un petit peu de rangement. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Pas grand-chose, grand-chose. Ce vlog va être extrêmement chiant. Je suis en train de ranger mon bordel. Comment? Alors, ah oui, Georges. La cantine de l'école a été dévalisée. J'ai plus de batterie maintenant. Bon. A été dévalisée. Donc, ils doivent prendre des tartines cette semaine. Parce que ils ont été dévalisés. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas qui c'est qui a l'idée d'aller dévaliser un restaurant scolaire. C'est un peu débile. Oh, j'ai plus de place dans mes pinceaux. Faut que je mette mes pinceaux. Bref, voilà. Je suis un peu bloquée à l'escape game de Indy, enfin, l'aventure immersive. La palette sort aujourd'hui pour moi à 18h, donc je vais attendre. On fera ça dans le premier Vlogmas. Je pense qu'on le fera ensemble pour ceux qui l'auront acheté tout de suite. Comme ça, on peut s'entraider si jamais il y a des bugs hein, d'un côté ou de l'autre. Je vais attendre un peu que vous ayez la palette pour ceux qui veulent l'acheter, comme ça on peut le faire ensemble. Et moi j'ai la soluce pour le début si jamais vous bloquez, donc je pense que la vidéo dans ce vlog là, dans le premier ou le deuxième, je sais pas encore exactement comment ce qu'on va faire, je verrai qui c'est qui va l'acheter et qui c'est que ça intéresse, mais voilà, on fera un peu la soluce de l'escape game d'Itty. Donc là je voulais vous garder pour coller mon sticker ce Queen, puisque vous avez vu que hier j'ai accroché le Bambi que j'adore, j'arrête pas de le regarder, il est trop beau. Mais comme j'ai plus de batterie, il faut absolument que j'aille recharger, il faut que je mange parce que j'ai très faim. Donc je pense qu'on va déjà changer de journée et qu'on fera ça demain. Voilà, je suis épuisée en plus. Aujourd'hui j'ai la sieste, hein. Ça fait 2 jours que je fais pas de sieste, donc mamie elle est crevée. Et là il faut que je range mon bordel. Donc je vais ranger, aller manger, faire mon montage et compagnie en attendant Georges. Et puis après j'irai dormir. Voilà, donc on suit le jour. Alors, il est 7h43. Je vous prends très, 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 très tôt ce matin. Là, je vais me faire un petit ravalement de façade avec vous. Mais quand je vous dis ravalement de façade, c'est ravalement de façade total. Petit soin, hein, c'est pas le make-up. On va raser tout ça avec le vite. On va faire des masques à gogo. Alors, je vais mettre un masque dans mes cheveux. Vous voyez le reflet de mon écran. Attendez. Voilà. Je vais faire un masque à mes cheveux. On va faire un masque peel-off que j'ai reçu de Nico avec les patchs aux yeux bébé gougou, et un masque que j'ai reçu de Nico aussi, le pompon qui a la fraise que j'ai hâte de sentir. Donc là ce que je vais faire, parce que le masque je l'avais reçu dans un des swaps de Manon, j'ai toujours pas fait pour les cheveux, c'est à la kératine, c'est antifreeze. Donc ils disent d'abord mettre le sérum un petit peu dans de l'eau chaude et de le laisser poser 20 minutes avec la charlotte. Donc je vais aller faire tremper ça dans un petit peu d'eau chaude, je vais mettre chauffer ma salle de bain, me refaire un café, et puis on va attaquer tout ça. Comme ça je fais un peu de contenu dans mon vlog, parce que je viens de regarder, je suis à 18 minutes pour 3 jours, mais j'ai eu une baisse de morale je crois cette semaine, je suis flagada, je suis crevée aussi. Hier j'ai refait une commande Shein. Ouais, pour le Black Friday, mais j'ai commandé le jogging, enfin jogging, l'ensemble d'intérieur, on va dire, Queen, que Shein
m'a suggéré, je vous l'avais partagé sur Insta, donc obligé de le commander, hein. C'est Chine qui me dit de le prendre, je le prends, vous voyez, je suis gentille, moi. Et du coup, j'ai recommandé du backup de certains produits du crash test que vous aurez le 6. Attendez, je vérifie si c'est bien le 6, mais je crois que c'est le 6, c'est le 6. Donc le 6 décembre, dans le calendrier de l'Avent, vous aurez le crash test Shiglam. Et je peux déjà vous dire que j'ai recommandé 3 backups en plusieurs exemplaires, hein, mais 3 produits que j'ai recommandés en backup. Voilà, donc ça vous laisse un peu... Il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du moyennement bon. Voilà, vous verrez. Je vous en dis pas plus. Donc là, on est à moins d'un mois de Noël. Moins d'un mois. Ah non, on est le 25. Ouais, on est le 25, donc on est pile à un mois du jour de Noël. Moins d'un mois du réveillon de Noël et un mois et un jour pour le réveillon avec les copines. Pour la journée de Noël avec les copines. Voilà. Ah d'ailleurs, il faut que je leur demande ce qu'elles aiment mettre sur la raclette en viande. Faites-moi penser que j'oublie pas de leur envoyer un message. Bon, donc, pour le Black Friday, je vais pas commander chez Beauty Bay. Normalement, il me restait Shein et Beauty Bay. Du coup, j'ai pris plus chez Shein, mais j'ai pas fait la commande Beauty Bay parce qu'en fait, il y avait un rouge à lèvres Jeffrey Stark, vraiment un violet que j'ai pas. Qui était en promo, que ça faisait longtemps que je lorgnais dessus, qui était depuis longtemps en promo, que j'avais jamais commandé, mais il est en rupture. Et le miroir Jeffree Star que je voulais est passé de au lieu de 50% à 20%. Donc après le reste, c'était il y avait une crème hydratante Beauty Bay, le baume démaquillant Beauty Bay. Mais là, je viens de me commander le Shein, donc je testerai le Shein. Et voilà, enfin le Shiglam. Donc du coup, je vais pas faire la commande Beauty Bay. Donc pour le haul du Black Friday, je voulais programmer pour le 8 en espérant avoir tout reçu. Oh mais décidément, je vous dis, je sais absolument plus parler en ce moment. Donc il y aura deux commandes Boozy Shop, puisque j'ai fait en deux commandes. Il y aura une commande Glisten, une Shein et une Maki Beauty. Donc ça va, je crois que j'ai presque bouffé tout mon budget que j'avais. Hein. Voilà, bon, il me restera quand même un petit peu de sous à mettre de côté. Et j'ai vu que ma monétisation du mois de novembre était déjà bien. Donc c'est cool, vous êtes adorables. C'est grâce à vous, c'est parce que vous laissez défiler les pubs. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Ça me fait gagner pas mal. Donc voilà, bah, écoutez, je vais faire tremper le petit masque là quelques minutes, me refaire un café, faire chauffer la salle de bain. Et puis on attaque le ravalement de facettes. Alors, je vais déjà commencer. Où c'est que j'ai foutu mon coton? J'en ai sorti un quand même. Ah non, ils sont là. Je vais commencer par donner un coup de coton avec de l'eau de rose pour nettoyer ma peau du matin. Réveiller ma peau du matin. Réveiller la mamie du matin. Donc, j'ai déjà pas arrêté depuis que je suis levée, depuis 6h30. Hein. J'ai passé un coup de palais. J'ai terminé mon linge. J'ai tout rangé. Tantôt, je reprendrai certainement pour mettre le sticker screen en haut, tantôt ou demain, je ne sais pas. Donc, voilà pour le coup de coton. Ça fait du bien, ça réveille. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas filmer. Je me prends une journée de non-filmage. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais rien faire, c'est qu'il faut absolument que je nettoie, il faut que j'achève mes montages parce que j'ai des montages en retard. Ça, j'ai horreur, j'ai toujours peur de supprimer mes rushs, ce qui m'arrive très souvent. Donc aujourd'hui, je vais faire ça, rattraper mon montage, nettoyer. Ah oui, après, j'ai préparé un masque que Nico m'a envoyé aussi pour les cheveux, là, des princesses dans le coffret. Je vous remets le colis, la vidéo du colis en barre d'infos dans le coffret princesse. Il y avait un masque à la coco réponse pour les cheveux. Donc je le ferai après ce masque-là en lavant mes cheveux. Donc, attendre que ça sèche un peu quand même. Je prends mon petit rasoir vite. Normalement, j'utilise le W7, mais une fois de temps en temps, j'aime bien utiliser le vite pour que ça aille vite. Je vais peut-être zoomer un peu pour pas que vous voyez le miroir. Donc ça va faire du bruit. Hein. Donc on va essayer de ne pas raser les cheveux.
Donc là, je fais toute ma face et j'assiste bien. Ici, j'ai toujours un ou deux poils durs. Je sais pas pourquoi. Ils sont blancs, mais ils sont durs. Aussi le tour des lèvres pour le duvet, parce que le duvet autour de mes lèvres, ça m'énerve. La moustache. Alors, je vais faire en dessous des surfaces. Alors, attendez, je vais coller mon miroir grossissant. Parce que, alors là, si je dérape, c'est la fin du monde. Alors, je prends d'abord le côté le plus large. Attendez, parce que je vois pas où je suis. Voilà. Je lève bien mon sourcil. Ça accroche. Ce miroir grossissant, il est tellement grossissant qu'il me fait loucher, quoi. Ça fait bien quand ça s'arrête. Donc je vais quand même mettre la tête pour les sourcils, pour les égaliser un peu. Alors je l'avais fait une fois, j'avais regretté parce que j'avais pris le côté court, mais là je vais essayer avec le côté long. Attendez, il faut que je trouve. Donc après la douche, je mettrai un petit peu le masque de chez Révolution là, pour les sourcils, pour bien réhydrater partout en dessous. Donc là, je mets la tête, si j'y arrive. Attendez, je trouve pas le trou. Je vois rien sur mes lunettes, c'est un truc fou. Voilà. Et vous voyez, vous avez un côté court et un côté plus long. Et la dernière fois, j'avais fait court et j'avais regretté. Là, je vais essayer. De toute façon, il pousse tellement vite. Ça... On va voir ce que ça donne après. Voilà, pas trop non plus. Hein. Voilà, c'est fini avec ce bruit-là. Alors, petit coquillon. Moi, j'aime pas. Tant pis, ça fait trop droit. Ça fait trop droit ici, vous voyez? Oh, j'aime pas. Oh, mes chenilles. À voir ce que ça donnera une fois que j'aurai mis du savon. Mais ça fait beaucoup trop droit. Bon, au moins, ils sont un peu égalisés. Et voilà. Donc, je reprends mon petit coton. Je redonne un coup partout. Pour enlever les petits poils, le petit duvet et compagnie. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va passer au masque cheveux. Je vais les zoomer un peu, sinon vous ne verrez pas. Le miroir, de toute façon, j'en ai pas besoin. Donc, je vais quand même les brosser un coup. J'avais pas forcément besoin de les laver maintenant, mais bon. Un petit masque, ça leur fera du bien. Après, j'ai pas trop à me plaindre, mes cheveux sont beaux. Donc, je prends la partie du soin.
que j'avais perforé. Alors, attendez, je vais couper, parce que sinon j'en fous partout. En détachant la charlotte. Oh! C'est tout liquide. Ah! J'en fous partout. Oh, mon beau pull. Oh, ça sent bon. Bon, je vais déjà en mettre sur les racines. Donc les racines, pas trop, hein, mais c'est vraiment pour essayer de... pour mes bébés cheveux, là, parce que j'arrête pas de les casser, mes bébés cheveux. Enfin, mes cheveux. Je surveille mon chien en même temps. Oh, ça sent super bon. J'aurais dû mélanger le sachet, je pense, avant. Et on met le reste sur les longueurs. J'ai commencé par poser le masque capillaire parce que de toute façon, même s'il pose plus longtemps que les ces 30 minutes, je crois, c'est pas très grave, donc ça leur fera du bien de toute façon. Bon, après pour ma longueur c'est pas énorme comme quantité, mais c'est toujours mieux que rien. Alors ils disent de masser. Donc, on va surtout masser les racines en essayant de pas s'endormir. Voilà, j'insiste bien sur les pointes et je mets donc la charlotte qui est fournie avec. Après, si vous avez une charlotte en plastique de douche, là, on trouve dans les magasins et tout ça, là, dans les avions, dans les hôtels, vous faites n'importe avec n'importe quel masque et vous pouvez faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs exprès. Là, c'est jetable, donc. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être regarder pour m'en acheter une pour faire des masques un peu plus souvent. Alors, attendez, je baisse ma tête pour mettre tous mes cheveux dedans. On tortille. Et on a l'air très con. Alors, par contre, j'ai enlevé sur les oreilles parce que j'ai horreur d'avoir des trucs sur les oreilles. Voilà, donc on peut laisser poser ça. J'espère que le facteur va pas venir très tôt. Bon, il doit pas venir aujourd'hui, donc ça. Hop là. Alors, on va faire le masque peel-off et je vais mettre mes petits patchs pour les yeux pendant le masque peel-off. Donc c'est le dernier, la dernière paire de ce paquet-là. Il y en a trois dedans. Je les aurai dans le concours de Noël. Alors le packaging n'est pas super pratique. Je n'arrive pas à choper le truc. En fait, ils sont tous les trois sur la même feuille plastifiée. Et la feuille est très dure à sortir. Surtout qu'il y a le produit dedans, donc ça glisse. Donc c'est extrêmement chiant à sortir. Voilà. Alors, il y a une feuille de plastique qui sont coincées entre deux. Il y a énormément de produits et ça sent vraiment beaucoup la coco. Hein. Si vous n'aimez pas la coco. Ouais, c'est très gadget, hein, mais voilà, moi ça m'a fait rire, soyez gros goût. Voilà. Par contre, ils tiennent super bien en place, ça c'est bien. Ok pour ça. Il faut que j'essuie mes mains. Je vais mettre sur mes paupières. Voilà. Alors, on va passer au masque peel-off. Donc, c'est celui-là
qui vient de Nico, qui est la méchante reine, puisqu'il y en avait deux. Je vais l'ouvrir par en dessous, vu que c'est plus étroit. C'est un masque au charbon de bois et au sucre noir. Détoxification en profondeur. Facile à retirer. On va voir ça. J'aime bien les masques pilotes, ça me fait rire. Alors, déjà, il faut que j'arrive à avoir du produit. Je sens la catastrophe arriver. Donc, il faut le laisser le poser en couche épaisse. Donc, on va en mettre un peu sur le front. Mais le plus important, c'est les joues. Je viens de me faire mal avec le patch et le mou. Et le menton. L'avantage, c'est que là, au moins, avec la Charlotte, je vais pas m'en foutre dans les cheveux. Ils sont bons. Parce que pour savoir le retirer facilement, faut que ce soit assez homogène partout en fait. Donc on va essayer d'homogénéiser tout ça. Voilà, je crois que j'ai réussi à choper à peu près tout ce qu'il y avait dans le bazar. Ah, il y en a encore. Je vais rajouter de ce côté-là. Oh, ils sont bons. Ici, il y avait un petit trou. Bon, normalement, je prends une spatule hein, en silicone pour faire ça. Là, j'y vais à la barbare aujourd'hui. D'en mettre un peu plus sur le nez et les ailes du nez, et voilà. Bon, bah écoutez, je laisse poser ça combien de temps, ils disent 20 minutes, enfin jusqu'à ce qu'il soit sec en fait, et je vous reprends pour l'enlever. Il est déjà en train de sécher pendant ce temps là ouais, faire du montage, je peux pas mettre mes lunettes, donc je sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Donc j'arrive, on a la lune. Voilà, ça fait un bon moment que ça pose, je sens que ça tire, ça tire, ça tire. Attendez, je vais avancer un peu. Donc on va l'enlever et je vais poser l'autre. Ça a l'air bien sec, il y a quelques endroits où ça n'allait pas trop, mais ça devrait quand même aller. J'espère juste pas me faire mal la face. Parce que des fois, il y en a, ils sont douloureux. Mais là, c'est marqué facile à enlever. Hein. Donc on va voir ça. Il faut juste choper le bout. Ah, le bruit, c'est dégueu. Déchirer. Hop. Ah, ça fait mal. Ow. Ça fait une épilation en même temps. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, il s'enlève bien. Ça, on peut pas dire le contraire. Vous voyez, ici, c'était pas tout à fait sec. Ici, non plus. Non, c'est un petit bout qui reste. Oh. Oh. Oh, j'aurais pu enlever mes patchs, ils sont secs. J'ai laissé poser un peu longtemps. Oh. C'est pour ça que je suis pas fan des pilotes, ça fait mal. Oh. Bon, au moins ça enlève le petit duvet qui traîne, hein. Ça on peut pas dire. Voilà pour ça. Donc, je vais quand même redonner un petit coup avec mon cochon pour enlever les petits bouts restants. Il faut
souffrir pour une peine. Regardez, là, je suis rouge. Après, les peel-off, j'en fais que très rarement. Voilà. Ben, j'ai la peau toute douce. Toute douce. Donc, je vais appliquer le petit pampan. Donc, je vais couper, hein, parce qu'à chaque fois, moi, j'en fais partout. Je les sors bien dans le paquet. Attendez, je vais mal couper. Même avec un ciseau, j'arrive pas à ouvrir un mal. C'est quand même un truc de fou. Oh, ils sont bons. Donc je pince bien pour les serrer au maximum. Parce qu'il y a toujours une tonne de liquide dans ce genre de masque là. Alors les matte beauty, vous avez un film plastique pour le déplier plus facilement. Mais c'est pas toujours plus facile. Hein. Ça glisse. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Hop, on va enlever le plastique. Il est beau. Ils sont bons, ils sont la fraise. Bon, en même temps, il est à la fraise. Donc. Hop, par contre, j'ai toujours du mal à les placer, moi. Je trouve que les yeux sont toujours trop petits et ici c'est toujours trop large, ça descend tout le temps. Donc moi ils sont jamais très très lisses comme on voit sur certaines stories ou des choses comme ça, que c'est tout bien mis, qu'on voit bien ce que ça représente. Moi c'est à l'arrache. Parce que là le pampan il a un peu une tête de névrosé, hein. On dirait presque Pennywise. Donc, j'applique ce qui dégouline dans mon cou. Et voilà. Si c'est pas magnifique. Le reste, je frotte sur mes petites mimines. Donc, il faut le laisser poser 10-12 minutes. Donc, je vais le laisser poser 10-12 minutes et je vais à la douche. Donc, je vous reprends tout à l'heure pour aller mettre le sticker ce Queen ou demain, je ne sais pas. Là, je vais voir. Là, je vais faire. Je vais continuer un petit peu mon montage. J'étais en train de regarder une émission, enfin, un documentaire sur Netflix. C'est Burari, le mystère d'une tragédie familiale. Voilà, c'est un. J'essaie de trouver des documentaires criminels que j'ai pas encore vus, mais j'ai tout vu. Même sur YouTube, j'arrive plus à trouver des faits entrer l'accusé, des canals crime et tout ça, là, que j'ai pas vu. Je les ai tous vus. Bon, allez, soit je vous reprends tout à l'heure, soit on switch de jour. Je ne sais pas encore comment va tourner la journée. Là, je vais faire un petit peu de montage. Non, je vais continuer un peu ça les 10 minutes là. J'irai à la douche et je ferai mon montage après, après la douche. Voilà. Allez, on switch. Bon, je sors de la douche et voilà ce que je viens de voir. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je suis rouge vif, enfin rouge du moins. J'ai fait une réaction allergique partout où j'ai posé le masque peel-off. Voilà. Chouette. Donc je vais pas tester les autres, hein. Nico, je suis désolée, mais je vais en donner un. Il y en avait trois de chaque, deux de chaque. Je vais en donner un aux filles pour qu'elles puissent les tester. Et les autres, je mettrai en concours. Mais moi, il y a clairement un composant que je suis allergique. Ou alors c'est le peel-off que je supporte pas. J'en fais tellement peu que c'est possible aussi. Hein. Mais voilà, je vais pas risquer d'en refaire. Un autre, hein. Nico, je suis désolée. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je ne sais pas. Je crois que je vais peut-être laisser ma peau tranquille aujourd'hui et on verra bien. Je vais pas me maquiller, ça c'est sûr.
Je ne sais pas, j'espère que ça va partir pour demain, que je puisse filmer. Il y a des bruits chelous chez moi. Ah non, c'est le chat. Que je puisse faire mes vidéos. Bon, ben voilà. On va voir. Je verrai tout à l'heure ce que ça donne. Regarde. Oh, merde. What? Bon. Allez, on verra tout à l'heure. On switch de jour ou de moment. Alors, il est 5h33. Ouais. Je suis réveillée depuis 5 heures. Je n'en peux plus. Merci le chien, n'est-ce pas? Il devait faire pipi. Donc, oh là là, mes cheveux cassés, là, ça m'énerve. Hier, j'ai fait donc mes soins et ma face, vous pouvez voir que ça va un peu mieux. Bon, à part un peu le front, ça va beaucoup mieux. Bon, là, j'ai encore la crème de nuit qui... On voit la crème de nuit. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Hein, je suis contente parce que aujourd'hui, je dois filmer. Donc, je peux pas... ne pas filmer, je peux pas prendre du retard non plus. Donc je vais clôturer le vlog ici avant d'allumer mon poêle parce que je suis gelette, complètement gelette. J'ai les doigts qui picotent. J'ai l'impression d'avoir été dehors en plein hiver, d'avoir joué avec de la neige. Je vais vous montrer, donc hier soir j'ai mis nos stickers cuits en haut. Je vais vous montrer, après je prendrai le téléphone et je vous l'inclus maintenant. Donc voilà, je l'ai mis là. Bon, clairement, vous ne le verrez pas en vidéo, hein, mais voilà, c'est juste pour le fun. Je trouve qu'il donne trop bien sur mon mur blanc, comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. C'est gadget, hein, mais bon, pour le prix où je l'ai payé, écoutez, je suis bien contente. Je vais vous montrer aussi mon rangement backup, hein, puisque j'ai dû ranger tout mon backup, parce que j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ici j'ai mis tous les produits lèvres, les plumpers et les baumes à lèvres, les démaquillants, les éponges. Je suis pas en manque d'éponges, hein, mais j'hésite à me reprendre un kit des XX là. Franchement, j'adore la souplesse, mais bon, j'aime pas trop les formes, donc je vais pas en reprendre tout de suite. Linge à démaquillant de secours, mes savonnettes pour mes pinceaux, pour mes sourcils, colle à fossiles, produits. J'ai eu un message, j'ai mis ça a coupé ma truc. Mixing liquide, un fard beige et un Glisten. Tous mes fixateurs. Voilà. Alors celui-là, il est un peu chiant. Il est très gros. Mes bases à paupières, liner, crayon noir, mascara. Je suis pas en manque de mascara non plus, on va dire. Anti-cerne, fond de teint, poudre. Je vais encore avoir du backup de poudre. Poudre. Fixateur, spray. J'ai Primark, une base en spray, base, fond de teint, et mes mouchoirs en papier, mes lingettes, lunettes, et mes rasoirs derrière. Voilà. C'est un peu plus rangé, je préfère. C'est plus beau. Voilà. Alors, ah oui, aussi, petite aparté, vous avez vu mon... Putain, ma tête, ça va vraiment pas, mes cheveux. Mon petit malheur hier avec mon masque peel-off, là, on voit que ça va beaucoup mieux quand même. Même sur le front, ça va. Donc, du coup, j'ai viré tous les peel-offs que j'avais dans mon stock. Ceux que des méchants, là, des méchantes reines, enfin, des méchantes Disney, que m'avait offert Nico, je vous en ai mis deux. Ceux qui étaient en double, j'en ai mis deux dans chaque lot des concours. Donc, du concours de Noël. Donc, vous verrez le concours Call 4, mais comme ça, vous savez qu'ils sont en plus, puisque je ne les ai pas mentionnés dans la vidéo. Et les autres, je les ai mis de côté pour le concours d'été. Voilà. Tous les peel-offs, j'ai viré. Parce que j'ai plus envie de... J'aime déjà pas le peel-off à la base. C'est marrant à enlever, mais ça me fait trop mal à chaque fois. Et là, la réaction que j'ai eue, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, moi j'allais me préparer. J'ai allumé mon petit chauffage pour m'avoir chaud mon cul quand je fais ma vidéo. Et voilà. Donc, voilà pour le petit stickers. J'ai fait aussi un peu de tri dans mon pack-up. J'ai rangé et j'ai trié un peu. Parce que j'avais plus de place. Tout simplement. Un grand tiroir de backup, de make-up, hein, parce que les soins sont ailleurs. Donc j'avais plus de place. J'ai dû ranger. Voilà. Les bébés ont foutu le bordel toute la nuit. Ah, mais je vais peut-être vous les montrer un peu. Tiens, j'ai nettoyé la cage hier. Et tant qu'ils sont réveillés, à cette heure-ci, ils sont bien réveillés. Donc, allez, venez. On va leur dire bonjour. Gougou est déjà en préparation. Il croit que je vais le faire sortir. Ils ont joué avec leur litière. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et ça, c'est mon petit bébé coucou. Non. Je leur ai mis une tasse pour mettre le foin. Ils l'ont retourné.
Bonjour mon petit bébé. Bonjour ma mémère Queenie. Non, Gougou, sors pas. Bonjour ma petite mémère Queenie. Il faut que je surveille Gougou parce qu'il est en train d'essayer de se barrer. Bonjour ma petite Gouloute. Ça va? Vous voyez, elle est un peu plus tactile. Et puis on a ici bébé Luna qui est dans son petit panier. Elle bouge pas trop de là. Elle. Bonjour bébé Luna. Gougou, fais gaffe à ce que tu fais. Je fais... Non. Si tu se barres, lui. Et. Dis bonjour les gens. Dis bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Non, tu ne sors pas. Non, tu ne sors pas. Non, tu ne sors pas. Non. Et petit gangster. Allez, reste au-dessus. Reste au-dessus que je t'ai à l'œil. Non, 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 non. Bon, voilà, parce que voilà. Il fait des bêtises, bébé coucou. Hein? Il fait des bêtises, mon bébé coucou. Oui, il fait des bêtises. Non, 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 il me pousse pour sortir. Il me pousse. Et. Bon, allez, je vais fermer avant qu'il se barre parce qu'il est en train d'essayer de se barrer. Bouge ta tête. Petit con. Oui, maintenant il va bouder. Oh, et là, on a Mr. Ryan qui est mal réveillé. Il est mal réveillé, mon bébé. Ouais, il était mal réveillé, mon gros bébé. Oh, mon petit bébé, il était mal réveillé. Et c'est toi qui m'as réveillé, hein? Hein? C'est toi qui m'as réveillé, mon gros doudou. Puis oui, mon bébé pro-pro. Voilà. Allez, fais dodo. Ça m'étonne qu'il n'est pas dans le lit, en train de faire la sieste. Pourtant, ils sont sortis longtemps, hein, hier, les bébés chichous. Donc hier j'ai fait le masque, alors j'ai pas refait de masque par-dessus parce que, ah oui, j'ai eu un problème avec la douche. Je suis montée à la douche. Qui c'est qui se lève à cette heure-ci? Oh, un Samuel Sauvage apparaît. T'es déjà debout? J'ai endormi à 21h. Ah, bah oui, t'as même pas mangé. Ça va? Ouais. Je vais refaire un petit tour au lit, moi. Bah, essaye de pas trop dormir, dans une heure je vais venir te réveiller. Donc je disais, j'ai juste fait la charlotte, j'ai pas refait de masque par-dessus parce que j'ai eu un problème avec la douche hier. J'avais de l'eau tiède, mais tiède moins, vous voyez. Et quand mon homme est rentré, je lui ai dit, il y a un problème avec la chaudière, il n'y a plus d'eau chaude et tout. Il a été voir, il y avait de l'eau chaude. Voilà, c'était juste quand moi j'ai été, la chaudière. Mais en fait, la chaudière s'est arrêtée. Il me dit, je comprends pas parce que l'eau, le boiler était plein et l'eau, elle était encore à 70 degrés. Donc, tu aurais dû avoir de l'eau chaude. J'ai dit, oui, bah, j'en ai pas eu. Donc, c'était tiède moins, donc j'ai pas insisté, quoi. J'ai pas fait de masque et tout ça. Hein. J'ai pris une douche plus que rapide. Hein. Je crois que j'ai jamais été aussi vite pour prendre la douche. Et du coup, on voit du coup ce que ça donne juste avec le masque tout seul. Donc là, ils sont totalement naturels. Hein. Je ne suis pas lissé, rien. Voilà. Ça va, ils sont beaux, ils sont bien doux, bien brillants. Donc je vais remettre un petit peu d'huile. Si j'ai remis un peu d'huile après, hein, comme je fais d'habitude, j'ai fait mes soins après chaque shampoing. Mais... Ils sont beaux. Vous voyez qu'ils brillent bien avec le reflet du PC. Donc je suis contente. Voilà, voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire en fait, à part à vous donner le planning. Putain, il y a des baguettes au congèle. Elle est dans le paquet jaune, là, il n'y a plus de pain. Mmh. Ah bah, Endo a encore des ennuis bouffés pendant la nuit. Mais en fait, toi, il y a des baguettes, il reste les fricandelles d'hier. Tu n'as pas mangé. À moins qu'Enzo les ait mangées aussi. Un micro-ondes. Donc, là, je vais faire mes petits soins habituels et tout. Puis quand Georges sera parti, je ferai mon teint pour aller filmer. Et je vais vous donner le planning de la semaine prochaine. Donc, on attaque le calendrier de l'Avent. Je suis trop contente. Bientôt le concours de Noya. Bientôt les congés de Noya. Bah bientôt, c'est dans un mois, hein, les congés de Noya, le coco. Non, c'est pas dans un mois. Bah si, vous avez congé que à Noël, hein, le 24. Hein. Oui, bien oui. Ah bah oui. Hein. Et on est le 26, donc c'est quasi dans un mois. Hein. Je vais vous faire nos OP. Bah bon, après, vous avez 15 jours. Sauf s'il y a des soucis. Ouais, parce que Georges, j'ai entendu parler apparemment qu'il parle de fermer. L'école, ou alors de faire en une semaine sur deux, parce qu'il y a trop de cas dans l'école. Donc on verra bien. Ça se trouve, ils vont peut-être prolonger les vacances de Noël.
Normalement, nous, cette semaine-là, on a des trucs à faire. Vu que c'est les examens, nous, on fait des activités comme l'année dernière. On verra bien. Tu verras bien, Inge. Hein. Donc, le planning, mercredi 1er, le swap. Donc, vidéo longue. Jeudi, le crash test du swap, parce que je ne voulais pas attendre. Donc, vidéo longue. Vidéo courte le vendredi, le top 10 des palettes de 2021. Samedi, vidéo courte, le concours de Noël. Et donc, dimanche, le premier weekly vlog du mois. Et voilà, vous aurez le planning de la semaine d'après, après, enfin, dans le prochain vlog. Donc là, c'est le dernier vlog, enfin, le dernier weekly vlog. On attaque les vlogmas et ça va bientôt faire un an que je fais des vlogs. Moi qui avais dit que j'en ferais jamais. Putain, tu te souviens, je disais jamais de vlog, moi. Je ferais jamais de vlog, moi. Je suis devenue accro à cause de vous. Voilà, je vous ai fait ça en tant que cadeau de Noël l'année dernière. Et j'ai adoré. Et vous, vous avez adoré aussi. Et vous les aimez toujours autant. Et ça me fait super plaisir. Pourtant, je trouve ça tellement chiant de m'écouter parler toute la semaine. Voilà, parce que ça dure quand même en principe une heure. Hein, chez moi, c'est très rare que ça dure en tout. Mais je trouve ça adorable. Et ça me fait plaisir que ça vous plaise autant que moi. J'ai plaisir à prendre la caméra et à blablater avec vous. Un peu trop parfois, mais j'aime blablater avec vous. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais clôturer ce dernier weekly vlog officiel. Les autres, ça sera des weekly vlogs aussi, sauf qu'ils s'appelleront Vlogmas parce que c'est décembre, hein, voilà. Hein. Et voilà, c'est tout. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant mercredi pour le lancement du calendrier de l'Avent, moi je vous dis bisous. Tchuss.